Isaac a zali quand on a papa na ye. Voici les faits. Voici les bois. Mais où est l'Holocauste? Natango na yelo na kanisi ete zambe alingi ko yana na biso. Il y a de l'Holocauste pour tout et chacun, afin que ce culte soit complet. Et que Dieu accomplisse et réalise. C'est notre force. Amen. Amen.
Ainsi, si lui est dans la joie, na yango soki ye asana esengo, nous sommes forts. Biso tozali makasi. Nous alors nous devons limiter. Biso esengo tomekola ye. Quand vous êtes dans la joie, tangu bozali kati na esengo, c'est la force de votre corps. Ezali bopili kiliki ya nzoto na bino. C'est la force de votre maison. Ezali makasi ya ndako na bino. C'est la force de vos études. Ezali makasi ya kelasi na bino. C'est la force de vos affaires. Ezali makasi ya mimongo na bino. C'est la force de votre destinée. Et la force de votre destinée. On est là, on dit amen plus fort. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je vous aime bien dans le Seigneur. Amen. Ma joie, c'est de vous servir. Amen. Nous allons lire Tokotanga. Le livre de Jean 17. Beaucoup ya Yohane Mukaponazo Minasambo. Nous sommes au chapitre 17, je l'ai dit, du verset 1 au verset 6. Na Mukapo Yazo Minasambo, ya Sango Malamu ya Yohane, Mulongo ya Yambokino. Au verset 6. Na Mulongo ya Mutoba. Puis le verset 22. Na Simato Pombi toke na Mulongo ya Trimbali na Mibali. Jean 17, 1 à 6. Yohane Mukaponazo Minasambo. 22. Mulongo, Mokokino na Mutoba, Topombe toke na Mulongo ya Trimbali na Mibali. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 17. Nous allons kotanga sango malamu komana Yohane Mukaponazo Minasambo. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Mulongo ya Yambokino na Mulongo ya Mutoba. Ainsi que le verset 22. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Tata, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Père, nous te bénissons. Papa, te pangolio. Quel amour tu nous témoignes à chaque saison. Voici l'heure de nous glorifier. Tala ngonga yango yo ete okumisa biso. Tu nous as glorifié. Yo okumisa biso. Tu as glorifié ton nom. Okumisa kombo na yo. Tu as glorifié le Saint-Esprit. Okumisa molimo santo. Au milieu de nous. Na kati na biso. Tu as glorifié ta parole. Okumisa miloba na yo. Merci pour cela. Matondi pona yango. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Je vous asseoir. Tovanda valingami. Que Dieu soit loué. Tout est bien par commissaire. Amen. Amen. Nous sommes dans un mois, dans un moment de gloire. Tozali nakati ya elekoto na sanza moko ya nkembo. Et le vendredi, nous avons été là et ça a été merveilleux. Mokolo ya mitano eleki tozalaki awa ezalaki siki koleka. Je rappelle que tous les vendredis nous sommes là pour des grands moments de gloire.
Et nous sommes là ce mois, c'est une saison de gloire. Tozali awa sanza mobemba oyo yeba kezali eleko tongonga ya nkembo. Tu n'en sortiras pas. Sans être revêtu. Et Amen. La gloire de Dieu. Amen. Sans être impacté. Et par la gloire. Amen. Amen. C'est ainsi, bien-aimé. Le Saint-Esprit, quand il envoie. Il nous parle, il nous accorde la parole. Ce sont des opportunités au travers lesquelles nous bénéficions de ce que le ciel a préparé pour nous. Soyez attentifs. Soyez connecté, que nul ne semble être arrivé trop tard. Car cette bonne parole sert ceux en qui elle trouve des fois. Quelqu'un dit amen. Amen. Elle sert, elle bénit. Ceux auprès de qui il y a la foi. Connectez-vous. Bokangama. Soyez bénis. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler de la gloire de Dieu. Nous avons commencé déjà. Mais le vendredi, on a plus parlé de. Ne pas perdre cette gloire. Dans ce livre de Jean 17, un très beau livre. Quand on écoute cette parole, c'est sensationnel. Et amen. Ça, c'est bien. C'est affectant. Ça bénit. Et pas bon. Et le Seigneur, quand il parle, il dit. Il dit au Père. Je t'ai glorifié. Sur la terre. Quelqu'un m'écoute? Amen. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il ajoute, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais avant que le monde soit. Le verset 22, je leur ai donné ta gloire que tu m'as donné. Je leur ai donné ta gloire. Alors, je pense que c'est déjà beaucoup. Moi-même, je sens une grâce et une bénédiction particulière à travers ces écrits. Alors, bien aimé, je crois qu'on peut comprendre deux choses. Il y a d'abord la gloire qui revient à Dieu, qu'on lui rend. Quand on l'adore, quand on le loue, quand on l'exalte, quand on le sait, vous me suivez? Amen. Dites amen si vous me suivez. Amen. Ça, c'est la gloire qu'on lui donne. La gloire qui lui revient. Mais il y a un deuxième type de gloire que le Seigneur nous dit. Donne-moi la gloire
que j'avais auprès de toi. Avant même que le monde naisse. C'est cette même gloire qui est répétée au verset 22. Et l'on dit, je leur ai donné ta gloire. C'est-à-dire des choses, des grâces que le croyant, le fils, obtient auprès de son père. Dieu reçoit la gloire. Ça, c'est sa gloire. Mais le fils obtient aussi la gloire qui vient du père vers le fils. Qui vient du père vers l'église. Qui vient du père vers ceux qui l'aiment. Amen. Quand à la naissance de Jésus, les anges se joignent aux bergers de Bethléem et ils chantent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Ça, c'est la première gloire. La gloire qui revient au Père. Lui-même Dieu, il dit, cette gloire-là, je ne la donne pas à quiconque. Ni mon honneur aux idoles. Ça, c'est la gloire qui lui revient. L'honneur qui lui revient. L'exaltation qui lui revient. Mais le même cantique continue et dit, et paix sur la terre. Kimia na mabele. Aux hommes. Na bato. Que tu agrées. Oyo ondimi. Paix sur la terre. Kimia na mabele. Aux hommes que tu agrées. Na bato yo lingaka. Là, c'est la gloire. Wane zankembo. Qui coule du père. Ezali ko kite pa tata. Vers le fils. Et pas ya mwana. Soyez bénis. Bopambo la main. Cette gloire-là, qui quitte du Père, de son trône, vers l'Église, afin que l'Église soit revêtue de cette gloire, afin que le Fils, le croyant, soit revêtu de cette gloire. C'est de cette deuxième gloire que je vais parler. Vous êtes là? Amen. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? On parle de cette gloire qui nous est donnée. Christ nous l'a donnée. Il dit, je leur ai donné ma gloire. Donc il faut qu'on constate que cette gloire existe. Parce que lui-même ne peut pas dire autre chose. Il dit, je leur ai donné ma gloire. Soyez bénis ce matin. Christ nous a donné ça. Nous devons que nous voulons que cela soit constaté. Qu'on voit ça. Que Christ nous a donné sa gloire. Alors, commençons l'enseignement. Cette gloire de Dieu qui nous vient, qui nous arrive, qui nous a été donnée, est comprise et signifiée par trois mots. Trois mots essentiels. Deux mots sont hébreux. Un est grec. C'est que la gloire la peut signifier et que l'on doit constater. Cette gloire là que nous devons vivre, expérimenter. Alléluia. Amen. Dis au voisin, je vais voir cette gloire. Je vais voir cette gloire. Dis encore au voisin, tu vas constater cette gloire. Tu vas constater cette gloire. Dans ma vie. Alléluia. Alléluia.
Le premier mot de ce qui signifie cette gloire. L'iloba oya liboso ndingo nakisa nkembo wana. C'est un mot hébreu. Ezali liomoko yaba ebeno. Qui signifie kabod. Elikoloba kabod. Je vais revenir. Nakozongela yango. Qui signifie kabod. Elikoloba kabod. Ceux qui écrivent K A B O D. Oba komaka K K. Ekola Kinshasa na Abidjan. C'est cette, le premier sens de cette gloire. Wana lolenga liboso ya kembo wana. Deuxième sens est lolenga mibale. Je peux même dire deuxième dimension. Na lingo lobata lolenga ya mibale. C'est dimensionnel. Exact, mba lolenga na lolenga. La gloire est signifiée par le mot grec doxa. Kembo na mnoko ya ba grec lingo loba doxa. D-O-X-A. D-O-X-A. Doxa. Doxa. Gloire. Kembo. La troisième dimension. Lolenge ya misato ya kembo yango. Qui revient au croyant. Oyo ezali pour la vie. Fils. Bana. Quand Jésus dit. Tango yeso je leur ai donné ma gloire. Na pesi bango kembo nangai. Troisième dimension. Lolenge ya misato. Cette gloire veut signifier. Kembo ne likoloba. Par le mot hébreu Shekina. Na lolenge na liloba yaba ebelo likoloba Shekina. Qui veut dire? Likoloba. Gloire lumineuse. Nkembo ezaliko ngelisa. Ete pole. Donc ça veut dire splendeur. Donc ça likoloba e ezaliko ngala. Amen. Amen. Oh, vous me suivez? Amen. Allons à la première dimension. Tokende tozonga mukena. C'est de ça que je veux parler. Je dis que la première dimension, le premier sens, c'est le mot kabod. Kabod. On va nous lire. Babotange la biso. Ça va maintenant? Oui, oui. Amen. On va nous lire. Bakotanga la biso. Tout ce que j'ai dit ici, on n'a pas compris. Oyo yo sa lobi. Et yo kana ki malamu te? Et yo kana ki malamu? On va nous lire 1 Samuel 4. Bakotanga la biso. Mukanda ya Samuel aliboso. Mukapunango ya mine. Jusqu'au verset 21. Mulongo ya. Nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bétail, du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, que lui tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut. Car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans.
Sa belle-fille, femme de Finé, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, le femme qui était auprès d'elle lui dit, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Amen. 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 Je n'ai pas écouté. Amen. Amen. Quand cette femme accouche, elle donne le nom à l'enfant. Ichabod. Pour montrer la forme négative. Le bannissement de la gloire. Alors, ici, Kabod signifie la gloire. Kabod veut dire Kabod de l'inkoloba magnificence et komitalista yankem opulence et bofuluki dignité et lokumu tout ce qui est digne nyoso ezana lokumu nakembo tout ce qui est merveilleux nyoso ezali kitoko sikisiki. C'est ça Kabod. Tala eloko tokangisi na oto bengi Kabod. Quand cette femme accouche tango mwasi oyo asili kobota, elle donne à l'enfant le nom de Ichabod. Apesimwa na naye amobala ati kobota mabebe et Ichabod. Pour dire pona koloba la magnificence. Ete bonzambe lokumongo l'abondance. Ete bofuluki la richesse. Ete bozui la prospérité. Ete kokende liboso la dignité. Ete lokumu l'honneur. Linkembo son bani. Nyoso wana esili et cholami na Israël. Parce que la première dimension de gloire, c'est ce que Dieu nous donne. Comme le Seigneur l'a dit dans Jean 17, 22, je l'ai redonné. Ta gloire. Ça veut dire, je l'ai redonné ta kabod. Je l'ai redonné ce qui est merveilleux, ce qui est abondant, la prospérité, la richesse, la joie de vivre. Je l'ai redonné ce qui est merveilleux. Quelqu'un m'écoute bien aimé? Amen. Que l'on dise amen plus fort. Amen. C'est ainsi, nous ne sommes pas sans la gloire. Pourquoi la gloire est là? Retenez ceci. Toute gloire de Dieu est liée à sa présence. Amen. Quand Dieu est présent, sa gloire est avec lui. Vous me suivez? Amen. Trois dimensions dont on parlera concernant la gloire de Dieu. Tout part de sa présence. C'est ainsi, quand Christ est en nous, n'est-il pas écrit? Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Aujourd'hui encore, Dieu vient afin que tu comprennes et que tu constates, y a-t-il Kabod dans ma vie? Tant qu'il est là, la gloire est là. Quelle gloire, premièrement, Kabod. Kabod.
Voilà ce que Pierre dit à Jésus. Nous sommes là pauvres. Le jeune homme riche est venu. Il a plaqué. Nous demeurons pauvres. Quel sera le sort? Nous qui t'avons tout quitté. Pour toi. Quel sera notre sort? Jésus lui dit, si quelqu'un a quitté quelque chose à cause de moi, je vais vous dire, il aura cela au centuple. Quelqu'un dit alléluia. Il aura cela au centuple. Amen. C'est comme ça. C'est la loi. Les croyants doit palper. Mon Christ, ton monde, mais Sengeli a dit il faudrait que même ceux qui nous regardent voient que nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Qu'il y a en nous la magnificence. Qu'il y a en nous l'abondance. Qu'il y a à nous l'honneur. Qu'il y a à nous la dignité. Je l'ai dit vendredi. On doit éviter certaines choses. Des choses qui font la honte. Faut pas que quand vous mangez, vous ne soyez pas heureux. Un invité, un visiteur arrive et vous trouve en train de manger. À cause de la mauvaise qualité des mets. Il faudrait pas que les enfants, l'enfant porte une culotte. Et moi, en soi, ce n'est pas une culotte. Parce que c'est déjà déchiré. Et si et pasuka madofon du haut en bas. Banda likoloti na seba singe landa landa ya fer ya rouge. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Ça, ce n'est pas comme ça. On est en quelle beauté. Il ne faudrait pas que la gratte qu'utilisent les enfants pour dormir. C'est déjà coupé. En deux, on plie et on cache ça pour mettre au soleil. Parce qu'il faut que la gloire soit. Amen. Le monde ici ne connaît pas le Saint-Esprit. Frère, je n'avais pas prévu ça. Lis-nous Jean 14, 17. Le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit. Ne connaît pas. Il nous juge à partir de ce qu'il voit. Jean 14, 17. Le Saint-Esprit, c'est pour les élus. Le dimanche passé, le frère nous a dit. Son bon fils qui fume les champs. Son beau fils, oui. Après avoir fumé du champ, il l'a vu construire la clôture. Mais la parcelle. Le docteur nous a dit, après avoir fumé, il a au moins l'argent de construire. Et il nous a dit, le monde peut avoir l'argent, peut avoir des voyages, le monde peut avoir des maisons, mais le monde n'aura jamais. Le Saint-Esprit. Quelqu'un dit alléluia. Allons-y, frère. Jean 14, le verset 17.
l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. 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 Vous le voyez. Pourquoi? Il demeure. Yes. En vous. Azali ko vanda. Avec vous. Katinabino pe longo na bino. C'est comme ça qu'il se manifeste. Par la gloire. Qui nous embellit. Cette gloire qui nous rajeunit. Cette gloire qui nous bénit. Qui nous permet de vivre comme des rois. De vivre comme des princes. Pourquoi? Parce que l'esprit demeure. Le monde ne peut pas le voir. Le monde ne les connaît pas. Alléluia. Dites son alléluia. Amen. Je vous dis vrai. N'arrive pas non solo. Si on est tout le temps malade. Ce qui t'angle jusqu'à malade. On a des deuils continuels. T'angle nous ce matanga na matanga olala muka matanga oyoka kuna boy. Le monde va se poser des questions. Moki ne gumi tuna mutuna. Où est son Dieu? Où est le Dieu du mandat? Notre Dieu du mandat, il est vrai. Je suis allé avec le groupe de frères. Exceptionnellement. On priait ici. Nous sommes allés à Moamba dans une maternité. Il y avait une de nos sœurs là-bas. On arrive. La sœur dit que voilà, l'enfant est retenu. Parce que il faut le transfuser. Et le médecin a dit il faut qu'il reste là. Au moins, trois semaines. Parce qu'on doit le surveiller. Les frères sont témoins. Nous avons parlé au Dieu du mandat. Et nous sommes partis. 45 minutes plus tard. Minutes les médecins viennent pour voir. Quand ils arrivent sur l'enfant, ils constatent tout. Ils disent à la maman, prépare tes histoires. Amen. Tu peux sortir même ce soir. Non, mais on dirait. On dirait que vous n'aimez pas le Seigneur. Oh, ma boucle, vous n'avez pas encore été, c'est qu'on dirait que vous n'avez pas encore été. Je n'ai pas entendu. N'ayez quitté. Les frères sont là. Bande de Wimbali, Bazaliwana. Qui était avec moi. Oh, yo, Kendaki Langa et Longo Kutikanga. Parce que la gloire doit être manifeste. On lui a de 3 mois, 1 mois. Le Seigneur dit, c'est maintenant. Yes. Il faut que ça change. Dites amen avec moi. C'est ça kabode. Kembo. Si vous regardez, ce qui totali malam, quand vous entrez dans ce mandat, au côté kati na musala oyo, vous entrez dans une nuée, au côté na kati na qui vous transforme, na lipata o ezali ko bongisa bino. Et qui vous permet ezali ko pesa nonzela d'avoir ya kozwa part
à l'héritage. Eteni na libula. Je bénis le Seigneur. Na pambo likolo. Le Dieu du mandat. Zambe amusala wewe. Parce que la gloire est vraie. Pote kembo zali solo. Amen. Amen avec moi. Amen. Bien que beaucoup n'aiment plus les louer. Ata ko mingi balinga susu ko kumisa yete. Beaucoup n'aiment plus le témoigner. Mingi balinga susu ko tato la yete. Le célébrer. Rendre le témoignage. Et tout donc c'est l'état toli. De tout ce que Seigneur. Na onyon so za doana. Est en train de faire. Azali ko sala. Alléluia. Amen. De tout ce que Dieu est en train d'accomplir. Na onyon so za bazali ko kokisa. C'est ça qu'aborde. Talankembo yango wana. C'est ça qu'aborde. Talankembo yango wana kabon. Parce qu'on a la santé. Tozana. Zoto kolongo. On a la vie. Toana bomoi. On a tout ce qui contribue à cette vie. Et j'aimerais plus d'ailleurs que ce mois, que la gloire Kaboda paraisse davantage dans la vie de chacun. Je ne ris pas. J'annonce ce qui va arriver. Plus de bonheur, plus de joie, plus de paix, plus d'abondance. Jean 10 est clair. À la fin de ce verset, on dit in fine, on dit que. Mais le Fils de Dieu. Moi, je suis venu. Ngaïnaïe. Afin que les brebis. Pote bampate. Aient la vie. Bazala. Qu'il soit. Pe bazala. Qu'il soit. Bazala. Dans l'abondance. Na bofuluki. Leur est arrivé. Nkonge koki. De déconnecter. Yako. La gloire qui était retenue, nous devons la constater. Est-ce que vous êtes là? La gloire qui était retenue, c'est le temps. Il faudrait qu'il y ait des choses nouvelles qui manifestent que Jésus est vivant. Qui manifeste que le Saint-Esprit demeure à nous. Selon Jean 14, 17. Levons la main et disons plus fort Amen. Amen. Kabod. La magnificence. L'abondance. Je pense que si vous saisissez cette opportunité, même pour ce qui concerne l'argent, tout ce qui vous concerne, la gloire de Dieu va être là. Et écoutez, Christ en moi, Christ, c'est l'espérance. Je me conduis cette phrase plus fort tous ensemble. Christ. Allons-y, Christ en moi, l'espérance. Nous, je me conduis cela. Allons-y, bien-aimés. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, Quelqu'un dit Amen. Amen. Christ en moi. Christ au cas n'angai. J'aime que l'on dise plus fort. Na lingito bango makasi koleka. On va encore dire ça. Tolo tokei. Christ en moi. Christ au cas n'angai. C'est l'espérance. Les allées Elikia. De la gloire. Yankembo. Kabod, la gloire dans ma vie. Nkembo katna bomo inanga. Bien aimé, je pense. Balinga mina kanisi. Que ce que Dieu a préparé pour nous. Oyo nzamba bongisa pona biso. Nous devons la voir. Esengi tozo yango. Jésus dit, je leur ai donné ma gloire. Yeso na pesi bango nkembo nanga. Il faut que tu aies cette gloire. Et Seigneur, nous allons, Obika, nous allons avoir une autre dimension de la gloire. Nous allons avoir une autre dimension de la gloire.
avant qu'on ne passe à d'autres dimensions, nous devons maîtriser qu'aborde dans notre vie. Et oublier les soucis du siècle présent. Bosana, bosana, bosana. Jésus, d'ailleurs, vous le dit. Les païens, eux, doivent s'inquiéter. Comment ils vont manger? Comment ils vont boire? Écoutez-moi. Alors qu'ils demeurent en nous, nous serons au-dessus des crises mondiales. Je le dis. Alors qu'il demeure en nous, nous serons au-dessus des crises mondiales, des crises financières. Parce que la parole dit, vous ne craindrez pas ce que le monde craint. Pourquoi? Psaume 23 le dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ainsi. Minerva. Titre de voyage. Ceci. La maison. Ndaku. Le Seigneur dit. Parce que Kabod est là. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Vous ne vous inquiétez de rien. Vous m'écoutez? Amen. Parce que Kabod est là. Vous ne vous inquiétez pas. De quoi vous serez vêtu? Quoi vous mangez? Le Seigneur dit, ça c'est les païens. Pour eux, laissez-les s'inquiéter. Vous, Bino, vous n'avez qu'à faire une chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est tout ce qu'il vous faut. Le reste vous sera donné par-dessus. Écoutez-moi. Parce qu'il demeure en nous, nous avons sa gloire. Le monde sait que nous avons la gloire. Le monde sait qu'il ne peut pas nous ravir cette fois. C'est comme ça que le diable dans son mensonge a fabriqué aussi sa gloire. On va nous lire Matthieu 4, 7 et 8. Matthieu 4, le diable a fabriqué aussi sa gloire. Satan a salipé le lenge mokembo na ye, le lenge na ye. Qu'il pense donner à ceux qui l'adorent. Nous, nous allons adorer le maître de toutes choses. Nous allons, nous devons adorer toute la vie. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous devons adorer toute notre vie. Le maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce micro passe bien? Oui. Mais pourquoi vous ne dites pas amen? Pourquoi amen. Vous ne dites, c'est pas la promesse? Vous pensez que le Seigneur va parler autrement? Matthieu 4. 7 à 8. Matthieu chapitre 4, le verset 7 et le verset 8. Sango malamu ya matayo, mokaponamine, mulongo ya sambukino na mwambe. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Commençons par le verset 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. C'est la gloire du terrestre. Le diable a fabriqué ce qu'il pense être la gloire. La gloire des rois. La gloire des nations. Il dit, Seigneur, si tu m'adores, je te donnerai ce royaume. Et leur gloire. Non, je pense. Ce n'est pas cette gloire. Amen. Aujourd'hui, le monde est brisé. Lelo, mokili est baby. Combien sont maintenant sur cette route de la perdition? Boni, bazana nzela o ya libe ya lipengwa. Dans des conditions accomplissant des choses. Na lolengo bazali kosala makambo. Horrible. Ya somo koleka. Des choses impensables. Le diable a rendu même les hommes au rang des animaux. Même plus que les animaux. Parce que si on dit ce que les hommes font aujourd'hui, c'est même plus que les animaux. Tout cela pourquoi? Parce que il y a la gloire que le diable dit, je vais te donner. Si tu m'adores, si tu acceptes, j'aimerais te dire, non, ça c'est du mensonge. Le diable c'est un menteur. Jean 8 dit ceci, il est le père du mensonge. Arrête de suivre ce chemin-là. Arrête d'aller vers la perdition. On te dit, tu vas être ceci. Le royaume de la terre. Ce n'est pas ça ce qu'il faut. C'est un menteur. Tout ce qu'il veut, c'est arracher ton âme. Détruire ton éternité. Mais nous, nous allons faire comme ces jeunes gens à Babylone. Et nous n'allons pas adorer la statue de Dieu. Nous n'irons jamais dans des cimetières. Nous ne porterons jamais des fétiches. Amen. Pour avoir la gloire. Amen. Une gloire mensongère. Amen. Une gloire passagère. Amen. Et nous allons dire, Satan, nous ne t'adorerons jamais. Amen. Quelqu'un dit amen plus fort. Amen. Je n'ai pas écouté, dis amen plus fort. Amen. Nous allons adorer le Seigneur de gloire. Et nous aurons sa gloire. Amen. 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 Encore amen. Amen. Cette gloire de Dieu, Nkembo Yanzambe, nous l'avons. Tozana yango. Mais le Seigneur qui demeure en nous, je dis que la manifestation de la gloire est liée, reconnaissable à la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Que ce soit la gloire d'Oxa, que ce soit Shekinah, c'est Dieu présent qui manifeste sa gloire. Amen. Il donne sa gloire. Amen. Et pour ce qui est Kabod, tant qu'il est à moi, j'ai cette gloire. Amen. Christ en toi, espérance. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Même
si tu es malade. Attends, Zalikobela. Même si la mort frappe à la porte. Attends, Liwa Zalikoyakobeta ne laisse pas les bras. Quelqu'un dit alléluia. Ne baisse pas les bras. Côté. Ne dis c'est fini. Je désire la mort. Non. Job était au rivage de la mort. A koma ki pene pene li buru ya liwa. Sa femme a vu que cet homme mwasi na ya moneke mutoyo ne s'en sortira. Bona ye zili wele. Et la femme lui dit mwasi alobi na ye. Selon le constat médical des experts, tu ne t'en sortiras pas. Maudit Dieu. Amen. Mais quand vous lisez Job 42, Job n'a pas baissé les bras. Quand on lui dit tout ça, il nous donne une réponse. Amen. Mon rédempteur est vivant. Il célébrera même le dernier. C'est ainsi que vous lisez Job 42. À partir du verset 10, la parole montre que Job a vécu encore plus de 100 ans. Regardez le mensonge du diable. Tant qu'il demeure en toi, la gloire de la vie sera avec toi. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'éternel. La parole dit de Job qu'il a été béni au double de ce qu'il avait. Il a eu 7 fils et 3 filles. Dont la première s'appelait Jemima, la deuxième Ketia, la troisième Keren. Et la parole dit, il n'y avait pas de belles filles sur la terre comme les filles de Job. Regardez l'homme qui devait mourir. Voilà pourquoi ce mandat. Chaque fois que vous voyez que la mort est derrière votre dos, c'est que vous avez une destinée glorieuse. L'homme qui allait mourir, Job n'allait pas voir tout cela. Le diable allait confisquer, allait ravir. Voilà pourquoi le mandat est là. Délivrer ce qu'on traîne dans la mort, ce qu'on va égorger, sauve-le. Le Dieu de longévité, il est toujours là. Quelqu'un dit amen plus fort. Parce que la gloire est là. Pas la gloire trompeuse. Alors, les enfants de Dieu doivent-ils vivre à Kabod? Oui. Amen. Doivent-ils vivre à Kabod? Non. Christ à moi. Christ, c'est l'espérance de l'amour. Amen. Tu ne peux pas finir comme tous les autres hommes. Tu ne dois pas vivre comme d'autres hommes. Mangeant le pain des douleurs. Le pain des douleurs n'est pas notre héritage. Ce qu'il faut d'abord, que Christ demeure. Christ a oumela à nous. Amen. Voilà pourquoi je te donne 3 conseils afin d'expérimenter Kabod. Nkembo. Le premier conseil. Tolia liboso. Parce qu'il y en a dont Christ est là. Ils ont aussi que Christ soit allé. Mais leur vie fait, deviennent fébriles. Et ils combattent. Il faut que tu aies 90 ans. Et c'est moi la mibou tout coup libo. Et qu'on dise que tu en as 5 ans. Voilà, bah tu as la mibou tout coup mitan tout coup mini. La longévité. Bon mot imolaï. C'est une bénédiction. Et ça il est pas emboli. Attaché à ce mandat. Et kangami la moussala oyo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le premier conseil que toi, il y a l'ibosé dans un compé ça yo.
Tu veux expérimenter Kabod? La gloire de Dieu. Mets en œuvre. Tiens misala. Mets en pratique. Tiens misala salela. La parole de Dieu. Le bonanzambe. Proverbe 22:4. Mets en œuvre. Tiens misala. Pratique. Salela. La parole de Dieu. Le bonanzambe. Proverbe 22:4. Je veux parler aussi. La mise en œuvre de la parole. La mise en pratique de la parole. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Rapidement, je te... Proverbe chapitre 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Reste ce moment. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Kabod. Nous avons dit kabod signifie richesse. Kabod. Nous avons dit que kabod signifie magnificent. Faut pas que je vienne chez vous. Je vais m'asseoir. La chaise à trois pieds. Non. Même Louis XIV n'a pas fabriqué des chaises de trois pieds. Attends, Louis XIV, on a fait la kiti à Makolomisa tout à l'heure. De la pente. De... La chaise de la pente. De... Mets en œuvre la parole. Tiens, tu as la parole. Mets-la en pratique. Tiens, la misala. Prie. Bondez-la. Si il faut prier. Ce que c'est le bondé. Serge, parce que c'est un devoir. Pour tes alliés, Moussala, c'est Dindia. Salé l'Anzambe. J'interpelle les gens qui, dans l'église ici, ne font rien. Na kat n'église, oh, le bien que écoute la parole et parle. Parce que c'est le goye kako yoki le bala. Mais en œuvre, la parole, l'Iloba, Serge, salé l'Anzambe. Même pour un petit périmètre. Attends, moi, et t'es moko yamouke. C'est un travail. Et ça, Moussala. Sergio, la gloire va paraître. Alléluia. La gloire va être là. Je prends le dernier mariage. Seulement ce dernier mariage. Oui, le frère vous a dit. En réalité, il n'avait rien depuis qu'il avait commencé. Pour dire, comme maintenant je voudrais me marier. Que j'ai en banque, que je mette de côté déjà 5 000 $ pour tout. Pour la colobette, il n'y a pas de gamme, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de 5 000 $. Il nous l'a dit. Il a marché par la foi. Attends, il n'y a pas de gamme. En tant que serviteur. Le col à Moussali. Dieu l'a honoré. Amen. Colo à commissier. Le lundi matin. Quelqu'un me fait rapport de la fête le dimanche soir. À part les mauvaises choses que je vais parler plus tard dans d'autres circonstances. L'habillement, des choses qui dansaient, qui dansaient les choses du monde. Je reviendrai. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais quelqu'un me fait rapport. Le lundi, un peu de ce qui s'est passé. Il commence. Papa, en tout cas, la soirée a pleinement réussi. Papa, pourquoi on est là qui toque au coléka? Même pas indien, Bayaki. Moi, je dis, mais tout ce qu'il est. Qu'il a. Tout ce qu'il a touché. Il a les Indiens qu'il a vus. Mais c'est l'accomplissement de la parole que je vous annonce. Ouais. Ouais. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Je me dis, mais même Bayendien Bayaki.
Tout ce qu'il a touché. Premièrement, c'est les Indiens. Mais c'est bien. C'est une bonne chose. Pourquoi? Kabode. Manifeste tout cela. Peut-être toi, ça sera le chef de l'État lui-même dans la fête. Je prêche toujours. Les gens qui pensent et qui me prennent dans une certaine dimension pensent que je confesse la folie. Je ne confesse pas la folie. Je vois les choses que je vous dis. Et par la foi, la gloire de Dieu est au-delà de ce que l'homme peut penser. La gloire de Dieu, quand elle est là, c'est au-delà de ce que l'homme peut estimer. Quelqu'un dit Alléluia. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen plus fort. Amen. Mais c'est ça Dieu. Quelqu'un d'autre va dire, oh, mais les Indiens étaient venus, ils travaillent avec eux. Oui. Mais la voix de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Jésus est né à Bethléem pour parce que quelqu'un a ordonné que tout cela se fait recenser chez eux. Mardochée a vu le roi comment? Parce qu'il était assis quelque part. C'est toujours comme ça. Quand tu verras peut-être avant ton mariage, tu arrives dans une structure qui permettra que les grands répondent à ton rendez-vous. C'est là la gloire de Dieu. Le plus fort, la gloire est avec moi. La gloire est là. Cette gloire est là. Cette gloire est là. Cette gloire est pour toi. Cette gloire est pour toi. Cette gloire est là. Cette gloire t'embellit. Cette gloire te transforme. Le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire, la santé, la prospérité. En tout, mais seulement ce verset en disant, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est Kabod. Amen. Je n'ai pas écouté. Amen. Amen. Christ est vivant. Christ est un bon mot. Il va assurer tout. Il va combattre la nyonso. Il va tout faire. La nyonso. Pourquoi? Ton adim. En Dieu, Kachinazam, il y a ce que je vais appeler deux choses. Le divin grossissant. Et bonzambe oye saka munene to ekolisaka. Ça c'est l'université nouvelle du salut. Amen. Yes. Le divin grossissant. Bonzambe oye sakamune to ekolisaka. Le divin grossissant, c'est quoi? Bonzambe oye sakamune to ekolisaka, les amis. C'est qui peut rendre quelque chose un peu plus gros et prendre d'autres tailles. Oye koko komisa eloko moko mo munene peso lo lengi moko ya munene koleka. Je donne l'exemple. Na pesi ndakisa. Élie, mon frère. Elia. Il priait pour que la pluie vienne sur la terre. Sa réponse qu'il a eue, c'est quoi? Il a vu un Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. À la taille de la pomme d'une main. Amen. Les observateurs pouvaient dire, ah, c'est ça toute la pluie qu'il a eue. Ah. Il n'y a aucune révélation. Maintenant qu'on va dire, ah, t'as la moto, il a zoomé la montagne. Il a passé tout ce temps à la montagne, la tête dans les jambes. C'est ça la pluie. Ah, ah. Oh, y a 15 ans, amené à Moutou, à Tiena Kata Mabolongo, à Zoma, à Namoura. Mais moi, je te dis, ah, le Christ en toi, il y a le divin grossissant. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini Komaki. Quand maintenant le nuage se manifeste, c'était trop petit. Mais il y a un grossissant. Le nuage est en train de prendre le temps. Le nuage prend le ciel. Tout le monde voit qu'une pluie inévitable est arrivée.
Acclamez Amen avec moi. Écoute-moi, retiens ça. Le divin grossissant va te conduire à une pluie, comme nous le voyons des fois. Nous-mêmes nous nous disons, cette pluie est inévitable. Elle va impérativement tomber. C'est comme ça ce que tu fais. Ça peut être petit. Appelle ça. Mets le divin grossissant. Tiens, dans cela, ça va grossir et prendre tout le ciel. C'est comme ça que je dis à Bethléem. Tu n'es pas la moindre. De toi sortiront des rois. Tu sembles être petit. Tu es petite Bethléem. Mais il y a le divin grossissant. Je te vois. Et je dis prophétiquement, doctrinalement, en toi, par connaissance, il y a le divin grossissant. Il y a le divin grossissant. Pour tout ce qui te concerne, je vois le divin grossissant, mon ami. Cela est en toi maintenant. Il y a le divin grossissant. Que Dieu m'aime plus fort. Deuxième chose, je ne vais pas traîner. Non, la deuxième chose, c'est d'abord le divin grossissement. La deuxième chose, c'est la divine perpétuation. Yes. Amen. Je vais rapidement. La veuve de Sarepta. N'avait que peu d'eau. Peu de farine. Pour manger ce là et mourir. Il y a une divine perpétuation. La parole dit, l'huile n'a pas cessé. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Non, est-ce que tu es branché, mon ami? Amen. C'est comme ça que notre richesse, notre bonheur, en lui, dites toujours, dans mon bonheur, il y a la divine perpétuation. Ma prospérité, il y a la divine perpétuation. J'aime Dieu. Je le crains. Le fruit de l'humilité. C'est de la crainte de Dieu. C'est Kabon. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Dis à ton voisin. Amen. Divine perpétuation. Divine perpétuation. Que ta foi, mets dans ta foi. Chaque acte n'a qu'un dimanche. La divine perpétuation. Bonzambe ou yoko umelaka. Si y a un comprimé pour arrêter le mal de tête. Ce que ça n'a mis non, moko pona ko. Hein, qu'on fait ça mutu kimia. Je te donne deux pilules. N'apesio ma minomi balé. Deux comprimés. Ma minomi balé. Le premier. Y a l'iboso. C'est le divin grossissant. Et le deuxième, la divine perpétuation. Vois cela. Mela yango. Et tu vas voir ça. Le deuxième conseil que je donne, obéis aux instructions na malako de Dieu. Yanzambe. Obéis aux ordres. Le mitindo de Dieu, Nzambe. Aux instructions. Na ozamba zo yebisalo. Divine. Ya bonzambe. Il y a si longtemps que je n'ai pas écrit, déclare la parole. Les préceptes. Ezana moi tango mulai na mona makam. Miango. Mitindo. Écoute bien. Yo kanga. La mise en œuvre de la parole. Kotia na misala yelo banzambe. C'est la parole que vous entendez écrite dans la Bible. On appelle cela en grec logos. Logos. Makomi. Logos. Loba koma. Parole. De loba. Révélée. Oye talisami.
que chacun peut lire. Que chacun peut méditer. Mais les instructions, Kasi, mitindo, ce sont des ordonnances. Ezali makomi que Dieu édicte. Oyonzamba zali kopesa pour un objectif déterminé. Bona tina moko songolo. C'est ce que nous on appelle. Yango to bengaka en grec. Na ba grec rema. Rema oyé monisami. Ce matin, le frère Papa Vincent exhortait sur Genèse 22. Ndeko Vincent na tongo lelo azali kolindi salikolo ya Mukanda ya Genèse mukapotu imbali na mibali. Dieu dit à Abraham. Nzamba robina ya Abraham. Prends ton fils. Zwa mwana ya mobali. Ton unique. Oyo yali kinda moko wana. Amène-le. Mema ye. Au lieu que je vais te montrer. Na isiko na kolakisa yo. Là. Et si kawana. Tu vas le sacrifier. Oko tumbelanga yembeka. Yes. Il le précise. Alobi angoma la mapeti sete. Mon ami. Soyons fiers. Yes. De ce Dieu. Je te prie, Abraham. Na bondeli yo Abraham. Prends ton unique fils. Zwa mwana yo yali kinda, mwana yo mokwana mobali. Amène-le. Memaye. Là où je vais te montrer. Et si kana kola kisa yo. Vous n'irez pas en promenade. Ok, na kotambula katambula. Tu vas le sacrifier. Oko tumbelanga yembeka. Les instructions de Dieu, mitindo ya Nzambe, si elles paraissent dures, ce qui au moins qu'elles allaient pas si coléka, difficile, mais quoi que ça les matins, troublante, les allaient qu'au tungisa. Référez-vous à ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu. Zonga moke si manao yonko la taifu na. Prenez sur vous mon joug. Ete bon mais maliko nangai mokumba oyangai. Mon joug. Mokumba nangai. Matthieu 11. Pourquoi? Parce que mon jour bon, est léger. Abraham pouvait dire Abraham, non, je le garde. Je garde mon fils. Je ne vais pas l'offrir. Le sacrifier. Mais s'il avait pris cette attitude, Abraham n'allait pas protéger l'enfant là. Abraham a combattu la bonne volonté contre les accidents de na makama ya mituka na nzela. En ce temps-là, s'il y avait encore beaucoup d'animaux sauvages, na ntango wana oyeba nyama ya ya qui pouvait manger, bakai kolia Isaac na zamba. Isaac pouvait tomber malade. Isaac a kobela et mourir. Et kokufa. Pourquoi? Pona nini? Qui pouvait le guérir? Na na koyiko bikisa ye. Alors que Dieu n'est pas là. Oui, si kan zamba zate. C'est ainsi, mon ami. Ya wana nde komulika. Les instructions. On doit les obéir. Beaucoup d'entre nous ont reçu le réma, les instructions, et ne veulent pas obéir parce qu'ils pensent que c'est au-delà, c'est un peu trop, c'est difficile. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, comment c'est mon bal? Quand il faut 3 jours de marche. Ce que c'est le micro-misère qui a coûté mon nom à Colo. Il voit une montagne. La musique va venir gomba mon côté. Et c'est là qu'il devait sacrifier. Et c'est là qu'il dit aux serviteurs. Alors, bien bas, ça n'est rien. Vous restez. Bien bas, tu canas. Moi et les jeunes. Nous irons là-bas. Pour que n'engomba au sommet de la montagne. Pour adorer. La première fois que nous parle de l'adoration. C'est Abraham qui dit aux serviteurs. Sacrifier Isaac. C'est adorer les créateurs. Amen. Et il monte. Et vous savez là où ils sont montés? La montagne là s'appelle Momorija. Est-ce que vous m'écoutez? Ah. Écoutez bien ce que j'ai dit. Les lieux que Dieu avait désignés. La montagne là s'appelle Momorija. Quand ils arrivent au sommet de Morija, Abraham veut sacrifier l'enfant, mais Dieu pourvoit au bélier. Et Abraham part avec une promesse. Abraham a kena ilaka. C'est Dieu. Nzambe wana. Il est Jéhovah Jireh. Nzambe oyo apesaka. Mais ce n'est pas tout, écoutez. Yoka. Ils assurent tout.
Ce que vous faites en obéissant aux instructions, vous entrez dans la volonté de Dieu. Et vous ne savez pas ce que Dieu a préparé. Écoutez-moi bien-aimé. Le mot Morija, Ngomba Morija. Plusieurs années plus tard. Mbula ebele koleka. Plusieurs années plus tard. Mbula ebele sima. Ce mot-là Ngomba wana devient la montagne des sacrifices. Et comme Ngomba ya Mbeka. C'est là-bas Nesika wana que Salomon, Salomon va bâtir le temple. Akotonga tempelo. Le temple de Salomon, temple de Salomon est bâti sur, où était bâti sur mon Morija. Et ton Ngomba ya Morija. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Et si Abraham a chamakulu. C'est là qu'on a bâti le temple. C'est là qu'on a bâti le deuxième temple. Je reviendrai ça. Quand on parlera de la prophétie. C'est là-bas qu'il y a la guerre. Aujourd'hui, la dispute de ces mots-là. Les Juifs disent on peut tout perdre. Sauf ce lieu-là, sauf Jérusalem. Jérusalem, parce que c'est le lieu où, quand on bâtira le nouveau temple, c'est que le Shiloh est là. Alléluia. 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 Amen. Vous m'entendez? Amen. Alors, obéissez aux essences. Frère, d'accord, nous, Jérémie 29 et 10. Jérémie 29, 10. Et Jérémie 39, tu vas lire après. Donc, vous allez comprendre que nous devons obéir aux instructions. Quelqu'un dit amen. Amen. Encore amen. Amen. Je m'en vais terminer. Je dois obéir aux instructions. Jérémie 29, 10. Le verset 10. Jérémie chapitre 29, le verset 10. Amen. Mais voici ce que dit l'Éternel. De que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Amen. Amen. Lui aussi, Jérémie 39, 6 et 7. Comme ça, tu vas t'asseoir. Il ne faut pas que. Jérémie 39, 6 et 7. C'est un nouveau marié. Il ne faut pas que ça. D'accord. Ah, mon bain. Bagnon pour la mobile. Pasteur, attends pour télévision. Pour ton télémi. Mon bain est rival. À combien d'avocats? Alléluia. Oh, Noba, amen. Amen. Attends pour télémission. Pour ton bain. Une heure, passer pour toi, Bossel. N'envoyez pas Missé mardi. Voilà mon père, Atika, voyez Missé pour l'année. Je vais monter au Lemba qui est à la seconde. Alléluia. Alors, pour toi qui reste, voilà, yo, ce Tikali. Que Kabo de Paris reste dans ta vie. Abonnez-vous à mon ami. Yes. Je le mets en neuf si ça. Vous pensez que. Mais mon fils comme Benjamin. Moi, je suis comme Benjamin. Quand il va grandir, Tamakokola. Tu peux m'attaquer facilement, lui, là. Yo, Kiko, hein? Kobudi Sangana pété, yé, Azawa. Les autres ici sont des paisibles, mais lui, il est ce qu'il est là. Bah, on y a ce bazali, pesané, batia, kimia, mais yé, Azandengaza, makila, moto. Parce que c'est comme ça que Dieu arrange les choses. Talanenzamba, bon, sakamakam. Alors ne reste pas comme ça. Tala, kotika la ndenga wana te. Que Kabod paraisse dans ta vie. Avant même que les autres parlent, il y aura déjà des gens qui vont parler en ta faveur. Il y a beaucoup de batu, boibalo, baizana batu, bakoya korbatina na natina kombo na yo. Allons-y. Jérémie 39, le verset 6 et le verset 7. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla le fils de Sédécia, en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tout le grand de Juda.
Puis il fit crever les yeux à Sédécias. Et le fit lier avec de chaînes, des reins. Pour l'emmener à Babylone. Amen. 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 Non, papa, mets-toi d'abord. Vandana. Pourquoi j'ai des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on est les Canaan. Dieu, si vous lisez le chapitre 7 de Jérémie, nous avons Azali na makamuna soki okotanga malamu kapo ya sambo ya mukanda Yeremia Israël qui avait le temple de Salomon ya Salomona me tombe dans la désobéissance akoina yi na kozanga kotosa et devient réfractaire akomi motomboki. Dieu prend une décision. Dans Jérémie 7, on dit Zambé azui, revenez mokana, alobi, de vos voix. Et bozonga, ne dites pas que c'est chez nous qu'il y a le temple, le temple, le temple. Vous savez le verset 4, frère. Cherche un peu ça. C'est important qu'on entende. Alors, Dieu prend une décision. Zambé azui, mokana. Et dit alobi, ces gens. Je vais les sanctionner. Et batoyo na kopesa bango etum. Je vais susciter na kotele misakat na Babylone. Babylone. Nabucodonosor. Nabukonzi na bango na Nabucodonosor. Qui viendra les opprimer? Oya ko yako nyoko na bango. C'est comme ça que Dieu, si tu trouves, tu me fais signe. C'est comme ça que Dieu parle à Jérémie. Yamonza bazoba na Yeremia. Et Dieu à Jérémie. Alors mina Yeremia, Dieu à Israël. Loba na Israël. Je l'ai livré. Ngai na kabi bango chez auprès de Nabucodonosor. Et pas n'est pas mon cousin Nabucodonosor. Il viendra vous prendre. Akoyako swabino. Obéissez. Botosa. Partez. Bokenda. C'est là quand vous lisez le chapitre 29. Il y a un seul qui au temps de Jérémie. À partir même du verset 5. Avant d'arriver à 10. Le Seigneur montre et dit allez. Quand là vous allez. Est-ce que vous allez Bokenda? Travaillez. Faites les champs. Mariez-vous. Bobala. Prenez soin de cette ville-là. Et votre exil durera 70 ans. Verset 10. Et le verset 11, Dieu, le Seigneur ajoute, car moi l'Éternel, je connais le plan que j'ai formé. Plan de bonheur. Et non pas de malheur. Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc l'avenir et l'espérance devaient être dans l'obéissance. Comment? On devait obéir et aller avec Nabucodonosor pour vivre à Babylone. Tu as trouvé? Lire. Jérémie 7, nous commençons par le verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des apparences trompées en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous comprenez que le temps est méprisant, n'est-ce pas? Oh, le temple, 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 le temple. Ne pensez pas comme ça. Allez Bokenda à Babylone. À Babylone. Vous allez y rester pendant 70 ans. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand Babylone vient envahir, le roi Sédécias, Mokonzi Sédécias, qui était encore à sa 9e année de règne, résiste. Il a même des prophètes qui
persécute Jérémie. Oh, bazali ko nyokola ko tungisa ko tuka Jérémie. Non, il ment. C'est un prophète de malheur. Azali musakoli kaka ya mawa ya pasi. On l'a mis même en prison. Bachai kuno ko bakanga kino na boloko. Il résiste, il dit niet. A telemi alobi ngai. Nous ne pouvons pas nous rendre. Chez un roi païen. Et pas mon cosmoga mon pagan. Mais regardez ce qui arrive. Quand Nabuchodonosor vient. Quand Nabuchodonosor vient. Sédékias. Et ses grands fuient. Mais on les poursuit dans la plaine. On arrête Sédékias. On arrête son fils. Mais les grands de Juda. Qu'est-ce qui va se passer? Devant le roi Sédékias, Nabuchodonosor égorge son propre fils. Et Nabuchodonosor a katito, a katikingo. Yamwana yamukoni Sédékias. Il égorge les grands. A katikingo. Yabatunyo subnene yamboka. Il crève les yeux. A tombo limi sur le Sédékias. Et la main enchaînée. Amemiye yaminyolo lazali kobende. C'est ça qu'on appelle le premier exil. Yango ba bengi bo memina bo umbu ya bo umbu ya batu susu ya. Et ce premier exil. Et te kokende bo umbu olo. A fait 70 ans. Et cela qui me boutu kusam. Vous verrez que Daniel. Bo comment était Daniel? Plus tard à Babylone. Nasima en Babylone. Il se rend compte. Attendi sa mon. Que 70 ans commence à passer. Ah, me boutu kusam ba we banjo ke. Rien ne fait. Et c'est pour ça qu'il décrète les jeunes. Yango abenda ki abeneli kokila. Afin que termine la déportation. Pote bo mena mina bo umbu esila. C'est comme ça qu'ils vont retourner. Yango na bakozonga. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Pote nzamba zali mo yenge pene na loba na ye. Vous comprenez? Amen. Est-ce que on me comprend très bien? Amen. Parce qu'ils ont refusé d'obéir. Baboya qui n'a pas tout ça. Aux instructions de. Na metindo yamokunza. Il viendra plus tard le deuxième exil. Et cependant, c'est 70. Bon ben ni abohumbu yami bale. Na si mami tout ça. Qu'on va détruire le premier temple. Ndeba ko panza ko bébé sa temple à Liboso. Construit par Salomon. Oui, ton gamaka na Salomon. On reviendra ça. Tokozonga makamo yo si. Dans l'enseignement sur la prophétie. Na malaki sikolo ya lisa. Mais Dieu. Nzambe. Aime ton obéissance. Alinga ka ite baiba na kotosa. Dieu veut que tu obéisses. Nzamba lingi otosa. Aux instructions qui t'aiment. Na mitindo azali kopesa yo. On peut dire amen. Amen. Pour terminer bien. Bona kosuki sa balinga mi. Le livre que nous avons lu vendredi. Mukanda ototanga ngolo mitano. L'attente de Dieu. C'est que si on a perdu sa gloire, que cette gloire soit restaurée. Amen. Joël 2 le dit. Joël mi ukapambale elobi. Le livre de Joël 2 à partir du verset 25. Joël 2 kobanda na mulongo ki. La parole dit, lilobelobi bon, je te remplacerai. Na kozongisela yo. Les années bamboula dévorées oyo emela ma par les chelek. Bamboula oyo mabanta par les souterrains bamelaki. Tu regardes ta vie et tu vois les années passées inutilement. Bamboula oyo le kaka na pamba boy. C'est moi, ces enseignements sont venus pour la restauration. Malakision. Les années dévorées par les souterrains. Bamboula oyo mabanki emelaka. Te vont être remplacés. Te vont être restitués. Il faut pas que quand tu vas te marier, que le médecin dise, tu t'es marié en retard. Tu ne vas pas avoir des enfants. Non. Souviens-toi de ce que je te dis. Les années dévorées par les chélèques, par les souterrains, vont être restituées à ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas écouté. Alléluia. Amen. Dit que la jeune fille. Selon notre pays, c'est à 18 ans qu'elle se marie. Même si tu as déjà 35, 40 ans,
Et le médecin ne dise pas, tu as fait passer le temps, tu ne vas pas avoir les enfants. Non, oh, il faut passer par les fibres, les ceci, les choses qui coûtent 10 000, 15 000 dollars. Non, il faut que tu retiennes cette promesse. Les années dévorées par les sauterelles, mais seront remplacées. Oh, Dieu, mais plus fort. Cela est arrivé avec une femme qui s'appelait Sarah. Elle avait 90 ans. Mais Dieu a remplacé les années dévorées par les souterrains. C'est comme ça qu'on l'a appelé El Shaddai. On veut dire la vieille femme devient la jeune, la plus jeune de toutes les femmes qui conçoit. Qui enfante sans problème, sans difficulté. Amen. Vous m'entendez? Pour ta vie, mon frère, les années dévorées par les souterrains, vous avez été remplacé. Toutes les années que tu as marché à pied, alors que tu étais destiné à être grand, les années là doivent être restituées. Alléluia. Amen. Je ne peux écouter. Alléluia. Amen. On dit plus fort. Amen. Amen. Et qui remplace? Le Saint-Esprit. Amen. Joël 2 dit et continue. Joël mi balé à le père au combat. C'est ainsi. Nayangoana. Sur vous. L'icolo na bino. Je répandrai mon esprit. Vos vieillards. Tout le monde sera visité. Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Jean 14, 17. La gloire doit paraître. Kabode doit être là. Tu vas arrêter le langage. Kamoa 1000 francs na tikala kinango. Non. Kabode vient. Kabode est là. Le Saint-Esprit est sur nous. Et la pluie tombe sur nous. Les années dévorées par les Jérecs. Les années dévorées par les Sopérens. Te seront remplacés. Quelqu'un dit amen. Te seront remplacés. Par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Kabod, c'est la gloire, c'est la magnificence, c'est l'abondance, la première dimension. Je leur ai donné ma gloire. Aucune fille ne paraisse sans gloire. Aucun homme ne paraisse sans gloire. Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire. Cette gloire est là. Mange trois fois. Si tu veux. Mange. Il a dit. Vous mangerez le matin. Le pain. Le soir. La viande. À satiété. Ça doit finir. Les batailles autour du repas. Par les enfants. Les enfants qui se battent. Parce que manger, c'est une compétition. Cela s'est terminé. Je l'ai dit, cela s'est terminé. Cela s'est terminé. Qu'aborde dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous vois là. Moi, j'ai ma promesse. J'ai la gloire de Dieu. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas encore suffisant. Tiens, Bible Pembeni. Nous remercions, nous acclamons. Nous disons alléluia. C'est lui qui nous donne la voix. Bayendi Bazawapi.